RMC Match Replay. Match Replay. Messieurs, coup d'envoi évident, la revanche de la finale de la Coupe du Monde 2010, c'est sur RMC. Rodolphe Placé est au stade, à Salvador, Espagne, Pays-Bas. Rodolphe. Et le coup d'envoi qui va être donné par les Espagnols, tout de blanc vêtu. Il y a dans le rond central Andrés Iniesta et Diego Costa, justement pour effectuer ce coup d'envoi. L'arbitre, Monsieur Rizzoli, qui demande à ses assesseurs s'ils sont prêts. Tout le monde est en train de prendre position. Monsieur Rizzoli qui lève le doigt, qui met le sifflet à sa bouche. Le coup d'envoi qui est imminent, qui va être donné dans quelques instants dans cette Fontenova Arena de Salvador, qui n'est pas tout à fait pleine. Il y a des sièges encore libres dans ce stade ici à Salvador. Le coup de sifflet est parti. Le coup d'envoi est donné. L'équipe d'Espagne, championne du monde. Et le premier ballon va faire tourner derrière. Attention, Diego Costa de nouveau. Diego Costa, le crochet. Oh, il y a pénalty. Le pénalty indiscutable sur ce ballon en profondeur de Xavi Hernandez pour Diego Costa. Ce coup-ci, il réussit son crochet. Et derrière, il est fauché. Il n'y a rien à dire. Le pied d'appui de Diego Costa est pris. Et le pénalty immédiatement sifflé par Monsieur Rizzoli. Xabi Alonso, le milieu de terrain du Real Madrid, le milieu de terrain de cette sélection espagnole, peut-être pour son 16e but en sélection. Xabi Alonso face à Jasper Silsen, le gardien de l'Ajax et de la sélection néerlandaise. Monsieur Rizzoli qui fait respecter Xabi Alonso, qui s'élève, Xabi Alonso qui frappe, ah, c'est un qui marque, Ça c'est top parce qu'à 2-0 le match est terminé. L'égalisation, l'égalisation pour les Pays-Bas. Le tête de Robin van Persie sur un ballon qui semblait anodin. Et Robin van Persie qui vient se jouer d'une erreur de la défense espagnole. Robin van Persie qui égalise ici à Salvador juste avant la mi-temps. Incroyable et contre le cours du jeu, parce que depuis l'ouverture du score espagnol, on ne peut pas dire que les Néerlandais produit grand chose, on ne peut pas dire que l'équipe de Luis Van Gaal avait réussi à se procurer une occasion pour égaliser. Et là sur eh bien, un long ballon, alors qu'Ariane Robben avait commencé à étirer la défense, il y a une très longue ouverture, absolument pas de position de hors-jeu pour Robin Van Persie qui instantanément reprend le ballon de la tête sur ce long centre de Blind. Et l'égalisation pour les Pays-Bas, un partout entre l'Espagne et les Pays-Bas. Il reste moins d'une minute dans le temps réglementaire de la première période. Wesley Sneijder qui va pouvoir orienter le jeu sur le côté gauche avec une ouverture pour Ariane Robben. Le contrôle d'Ariane Robben, le crochet de Robben, le but d'Ariane Robben. Ariane Robben qui double la mise de Buzyn pour les Pays-Bas. L'ouverture de nouveau de Blind et Ariane Robben qui récupère le ballon, le contrôle en extension du bout du pied gauche. Et derrière, il a deux défenseurs face à lui. Il réussit son crochet intérieur et tranquillement, avec sérénité, il trompe sans Iker Casillas qui garde maintenant les mains sur les hanches. 2-1 pour les Pays-Bas. Incroyable retournement de situation. L'Espagne a mené 1-0. Les Pays-Bas ont égalisé juste avant la pause. Et quasiment à l'entame de cette deuxième période, les Pays-Bas prennent l'avantage et mènent 2-1 après Robin van Persie. C'est Ariane Robben qui marque son 24e but sous les couleurs de la sélection néerlandaise. 2-1 pour les Pays-Bas face à l'Espagne. Il y a un coup franc tiré par Wesley Sneijder. Oh, le but! Oh, le but! Le troisième but néerlandais! Il est accordé! Il est accordé! Le coup franc tiré par Wesley Sneijder au deuxième poteau. Il y a trois joueurs néerlandais contre un défenseur espagnol. Je ne sais pas qui a touché le ballon. Ils sont tous en train de se jeter dans les bras les uns les autres. Mais ça fait bien 3-1 pour les Pays-Bas face à l'Espagne ici à Salvador. C'est un séisme, l'Espagne, double championne d'Europe, championne du monde en titre, qui est en train de prendre une raclée. On disait que cette équipe espagnole était peut-être vieillissante, qu'elle était peut-être en fin de cycle. Eh bien, ceux qui le disaient avaient peut-être raison. En tout cas, les Néerlandais qui ont fait leur révolution, qui ne jouent plus en 4-3-3, qui sont passés à 3 défenseurs centraux. Eh bien, Luis Van Gaal a réussi. Le but, 4-1, Robin van Persie qui récupère un ballon. Oh, l'erreur défensive monstrueuse encore une fois. Et l'Espagne voit le calice jusqu'à la ligne, c'est incroyable. Robin van Persie, le doublé pour le buteur de Manchester United.
Sutil et de cette sélection néerlandaise. 4 buts à 1 pour les Pays-Bas face aux champions du monde espagnol. On voit le désarroi, la détresse sur le visage d'Iker Casillas, le gardien espagnol, sur cette remise derrière. Casillas qui se déchire complètement sur son contrôle, et Robin Van Persie qui traîne, qui est plus prompt à réagir que tout le monde, qui récupère le ballon et qui trompe la défense espagnole. Il y avait pourtant un défenseur qui était revenu, c'était Piqué, mais Van Persie est plus rapide. 4 buts à 1 pour les Pays-Bas. César Azpilicueta qui tente de passer entre deux défenseurs néerlandais. Il se fait subtiliser le ballon, la mauvaise relance néerlandaise. Les Espagnols qui vont peut-être pouvoir en profiter avec Pedro. Non, c'est de nouveau intercepté. Attention, parce que ça peut aller très vite derrière. Il y a Ariane Robben à la course avec Piqué. Ariane Robben face à Ariane Robben qui retourne sur lui-même. Il n'a pas vu son partenaire. Oh, il y va tout seul, le coquin. Et il marque le 5e but. Ariane Robben, incroyablement égoïste et individualiste, mais qui met quand même ce 5e but. 5 buts à 1 pour les Pays-Bas face à l'Espagne. C'est incroyable comment il a mangé Sergio Ramos à la course, parce qu'au départ j'ai dit que c'était Piqué, mais c'était Sergio Ramos. Et Ariane Robben, il l'a complètement mangé derrière. Il a pris tout son temps, il a tourné quasiment à 360 degrés sur lui-même pour repiquer dans l'axe. Il avait un coéquipier qui lui faisait des signes pour avoir le ballon, il était tout seul. Ariane Robben, il n'en a que faire des coéquipiers quand il est comme ça, et il a donc choisi lui aussi de marquer son doublé. Faut dire qu'il y a des questions d'ego en sélection néerlandaise, hein. Robin Van Persie, il a marqué un doublé. Bon, Ariane Robben ne voulait pas rester en reste, ne voulait pas être en reste, et donc il y va lui aussi de son doublé. 5 buts à 1 pour les Pays-Bas. Et c'est fini à l'instant même. Fin du match et coup de tonnerre ici à Salvador. Victoire des Pays-Bas, 5 buts à 1 face à l'Espagne. L'Espagne qui avait ouvert le score à la 26e minute de jeu. Xabi Alonso sur pénalty. Robin Van Persie qui a égalisé à la 44e. Ariane Robben qui a donné l'avantage aux Pays-Bas à la 53e. Dovry qui marque le but du 3 buts à 1 pour les Pays-Bas à la 64e. Robin Van Persie, le doublé, 4-1 à la 72e. Et Ariane Robben dans son style inimitable d'individualiste qui marque le 5e but à la 80e. 5 buts à 1, messieurs, ici à Salvador pour les Pays-Bas.